Hello mes foufous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera la vidéo Petit Food Boxer. La boîte est juste magnifique. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a dedans pour le mois de juillet. Donc c'est parti. Donc tout d'abord je trouve que la boîte est juste magnifique. Franchement je la trouve super belle. Donc vous avez marqué dessus Good Vibes. Je trouve que c'est franchement la boîte, franchement je pense que je vais vraiment la garder. Il y en a certaines que je garde, d'autres pas parce que voilà, elles sont pas forcément à mon goût. Mais celle-là je la trouve toute mignonne. Donc à savoir que cette box-ci est au prix de 16,90€ si je ne me trompe pas. Et donc voilà, elle se présente comme ceci à l'intérieur. Donc je prends, comme d'habitude, vous avez, oula, je perds déjà un produit, un petit fascicule qui vous montre chaque produit que vous avez dans votre box avec le tuto du mois. Donc voilà, voilà, ça parle de la zone T, tout ça. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, on a un gros format de 200 ml. Donc c'est une base de bronzage. Un auto-bronzant progressif, non parfumé, sans traces pour tous les types et couleurs de peau de chez Minetan, ou Mintan, je ne sais pas comment on dit. Base de couleur, bronzage progressif. Donc pourquoi pas, donc c'est un gros format. Et je pense que ça, c'est le gant qui va avec. Vous savez, vous mettez le produit sur le gant, vous faites comme ça. Moi, je ne suis pas trop adepte de ces produits-là. J'en ai déjà reçu un dans la Birchbox, donc à voir. Après, je peux essayer, éventuellement retenter le test. Mais pourquoi pas, je trouve que c'est un gros format déjà, donc c'est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il dit sur ce produit? Donc, il est sans parabène, vegan, 100% naturel. Donc ça, c'est très bien et c'est un gros point fort pour ce genre de produit-là. Donc voilà, donc ce produit-là est au prix de 24,95€. Pour un teint AE garanti sans UV, donc pourquoi pas à essayer. Et le gant qui est de séparément, donc il est tout doux le gant, j'aime trop. Gant applicateur auto-bronzant, valeur 9€, indispensable pour appliquer les mousses sans trace sur les bras et le reste du corps. Donc ça, c'est vrai, quand vous mettez de l'auto-bronzant, je connais beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait, ils mettent l'auto-bronzant avec la main, et vas-y qu'après la main, les Walligan Beast to Fly, donc pourquoi pas. Ensuite, on a un highlighter eyeshadow de chez Belpierre. Si j'arrive à me péter un wad. Pourquoi ils font des packaging? Ça va me péter un ongle, en plus je les ai refaits. Bon. Et bien j'arrive pas à l'ouvrir. Hein. Ça va me péter un doigt. Bah, vous savez quoi, le packaging, on s'en fout un peu. Désolée, mais là, obligé. Hein. Vous voulez pas sortir le truc. Donc, en teinte sultry. On va dire version anglaise. Donc, il est comme ceci. Moi, pour un highlighter, c'est mort. Ça sera beaucoup trop... Ouf, par contre, la couleur est vraiment super jolie. Donc elle est comme ceci. Oh, moi j'adore. Par contre en fard à paupières, il peut être vraiment super sympa. Bon, il n'a pas d'odeur particulière. Donc fard à paupières highlighter sultry, valeur 15€. Un fard 2 en 1 enrichi en pigments lumineux. Ça change pas. Ici on a toujours du mal à parler. Ça change pas. Donc pourquoi pas, valeur 15€. La couleur est super belle. Après, comme je vous ai dit, moi en highlighter, ce sera beaucoup trop foncé pour ma peau. Mais en fard à paupières, pourquoi pas. Hop. Ensuite, on a un Mud Mask. Ou je sais pas, Mud Mask. Oh, j'espère que c'est pas encore un truc pour les cheveux. Masque d'été sans rinçage, un masque protecteur, bon, pourquoi pas. Donc c'est la marque Mask. Donc j'avais déjà reçu cette marque dans, je crois que c'est la box d'avant ou la box encore d'avant, je sais plus. Et je vous disais dans mes flops d'ailleurs que je vais poster que je n'aimais pas du tout, qui m'avait asséché les cheveux, tout ça. Donc ça apparemment ça a l'air d'être pour le visage.
Donc sans rinçage, avec écran solaire SPF de 15, donc c'est plutôt pas mal. Alimenter, nourrir et celle l'humidité dans la peau, empêche le vieillissement cutané prématuré provoqué par le soleil. Donc ça peut, en gros, c'est une crème pour le soleil quoi. C'est une crème protectrice quoi. Appliquez une fine couche mince sur votre visage, laissez et laissez le masque. Pourquoi pas? Je pense que ça ressemble plus à une crème solaire qu'à un masque, hein, parce que bon, voilà. Donc c'est un format de 40 ml. Donc voilà. Ensuite, on a un rouge à lèvres. Donc c'est un Creamy Matte Lipstick de chez... Ah, je vous ai pas dit le prix du masque. 39 €. Ok. Donc c'est le rouge à lèvres est de la marque Fortifier. Donc il est d'une valeur de 15 €. C'est en teinte Looking. Un rose pétillant infusé à l'huile d'argan ultra hydratant. Déjà le packaging est tout simple en plastique. Je suis pas trop fan de... Ah! Ah non! Ah, je déteste quand je... Ouais. What? Oh putain, je perds le bouchon. Je sais pas si vous verrez quand même, mais what? C'est passé quoi sur le bouchon là? En sachant que je l'ai reçu ce matin, je l'ai pas ouvert avant. Et j'ai le raisin qui... Oh là! T'as pris un coup de chou mon coco? Oh, j'ai le raisin, il est complètement pété en fait. J'ai l'impression que le raisin, il a été pété et qu'on l'a... ouais, là, je suis pas trop d'accord. J'ai le rouge à lèvres qui est complètement défoncé en fait au bout. Ok, il y a des traces comme si on avait mis... Pourtant, il n'y a rien dans le bouchon. Comme si on avait eu des coups, vous savez, des petits coups de... Des petits coups d'ongles en fait. What? Ouais, bof. Bon, bah du coup, je suis un peu dégoûtée. Là, franchement, ouais, je vous dis, regardez, le raisin, il a été pété. On a l'impression qu'on l'a remis dedans, qu'on l'a légèrement scellé. Et hop, refermé. Il a des traces de doigts. Ouais, là, par contre, je suis pas trop d'accord. Donc voilà, gros flop. Je vais pas le tester sur ma main parce que bon, voilà. Là, je suis grave dégoûtée. Grave dégoûtée. Bon. Je sais pas ce qui s'est passé lors de l'envoi. Donc, il est sans gluten, certifié cruelty free et vegan. Donc, il est... Je sais pas si je vous ai dit le prix. C'est 15 €. Bah, gros, grave dégoûté. Donc, ouais, le rouge à lèvres a des traces de doigts, quoi. Je suis choquée. Non, là, par contre, je pense que je vais envoyer un mail à Beautiful Box. C'est la première fois que ça m'arrive chez eux. Et bah, merde. Merde. Donc, bah, voilà. Sur ce, la vidéo est déjà terminée. Je suis mitigée là, je suis très mitigée. À part ouais, les deux premiers produits, là, la mousse et encore, je sais même pas si je vais l'utiliser. Je vais faire un test, je pense, et je verrai ce que ça donne. Et l'highlighter, quoi, le fard à paupières, parce que moi je pourrais pas l'utiliser en highlighter. Et les deux autres produits, je suis vraiment très mitigée. Là, vraiment, je me pose des questions si je reste abonnée ou pas, parce que ça fait. Deux fois que je reçois une box où je suis pas très satisfaite en fait du contenu de la box, du moins j'ai l'impression qu'on respecte pas trop les attentes du client, donc voilà, à voir. Je vais essayer d'envoyer un mail à Beautiful Box, je vous redirai ça sur mon post Instagram si j'ai des nouvelles, parce que je vous dis, le rouge à lèvres a des traces de doigts. Ça se voit qu'il a été pété et ressoudé. Donc voilà. Je suis très mitigée. Je vais me poser des questions, savoir si je reste abonnée ou pas. Donc voilà. Sur ce, voilà, la vidéo est terminée. Je vous fais plein de bisous. N'hésite pas à liker cette vidéo si ça t'a plu. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux rejoindre ma communauté. Pourquoi pas. Plus on est de fous, plus on rit. On s'amuse bien si on est taré et on ne sait pas parler. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt.